Ça se déploie en trois moments. Un premier moment dont j'insiste pour dire qu'il est peut-être rêvé, irréel, enfin tout est fait pour le maintenir à distance, même s'il est très concret, qui est une longue scène d'émeute ou de révolte à l'échelle de Paris, enfin Paris-Centre, sans flics, sauf à la fin, quand le moment de la répression arrive, et donc avec un immense siège de l'Élysée par des dizaines de milliers de personnes qui n'arrivent qu'à insulter le bâtiment sans vraiment s'y attaquer. Mais en tout cas, cette espèce d'occupation du pavé, comme ça, un soir de fin d'été, par des foules innombrables, racontée à la première personne du pluriel, par un on. Le deuxième moment, c'est quatre monologues de quatre personnages dont on comprend vite ou pas vite d'ailleurs qu'ils étaient quelques années ou décennies plus tôt dans cette scène d'émeute, qui se racontent au présent où ils en sont, de façon très personnelle, avec leurs échecs, mais aussi avec leur joie. Donc il y a deux types de filles, un écrivain, un médecin, enfin un écrivain raté, un médecin, une journaliste et une militante, justement. Et donc c'est vraiment quatre monologues parallèles sans qu'ils ne se recoupent pas. Le troisième moment, quasi dialectique, c'est leur retrouvaille par hasard, avec un cinquième en plus qui l'organise, la retrouvaille, à l'occasion d'une sorte de vague colloque dans une abbaye que certains reconnaîtront dans le sud-ouest de la France. Mais ils font l'abbaye buissonnière ou le colloque buissonnier, c'est-à-dire que tous les cinq s'enfuient un soir, trouvent un salon au fin fond de l'abbaye et le squattent toute la nuit pour voilà, boire, fumer, se souvenir, rire, pleurer, enfin une sorte de reconstruction de ce temps-là qui aboutit un peu en apothéose ou de tristesse vraiment incarnée au souvenir d'un sixième suicidé très jeune et dont, voilà, dont le deuil impossible et résume un peu cette espèce de long trajet. C'est celle qui est un nom, hein, qui s'appelle Thomas. Oui, j'ai tenu à ce que tout ça reste assez à distance, à la fois pour être, c'est-à-dire sans nom propre, sans prénom, sans nom propre quand il y a des références même à des philosophes ou des écrivains qui sont un peu désignés par des périphrases, sans date précise, sans référent temporel reconnaissable. C'est pas gratuit, c'est pas un jeu, c'est pour que d'abord, cette histoire ne soit pas réduite à un événement historique précis, ni à une génération précise, mais vraiment la traiter comme une sorte de structure générale qui a lieu à toute époque, quoi, je pense. Une structure du souvenir, de l'amitié, et de ce deuil-là de la Révolution. Et puis aussi parce que la distance, le côté embrouillé ou flou, est au cœur de cette affaire et du regard que chacun d'eux porte sur leur vie. Donc il ne faut surtout pas que ce soit trop précis, trop net. Alors j'aime vraiment pas le mot de génération, parce que donc j'ai même écrit plusieurs débuts d'essais pour désinguer le concept, qui est un concept de. C'est toujours les gens plus âgés qui traitent le groupe de leurs cadets de génération. Donc c'est toujours une façon d'étiqueter, d'épingler, surtout de naturaliser, c'est-à-dire votre date de naissance sur vos papiers d'identité décide de votre vie collectivement. Donc ça a toutes les mauvaises raisons d'être. On a commencé avec la bof génération dans les magazines il y a 30 ans. Sauf que, un peu d'ailleurs, comme en parlait Jacques Derrida, qui lui aussi détestait ce mot et qui de temps en temps y faisait référence, par exemple quand il parlait de ses contemporains, philosophes comme lui, les Foucault, les Deleuze, on est obligé de faire avec parce qu'on a un truc en commun, ceux qui sont nés à peu près au même moment, c'est simplement d'avoir une même sensation du présent historique, des mêmes références, ou bêtement télévisuelles ou intelligemment mondiales, de la jeunesse et même de l'âge mûr. Donc il y a, voilà, y a ce commun-là, c'est-à-dire que c'est comme un commun dont on a un peu honte, mais avec lequel il faut faire, parce que c'est notre seul commun, au sens vraiment de quelque chose qui nous réunit avec des gens avec qui n'ont rien à voir, sinon une date de naissance rapprochée. Donc voilà, donc c'est une réticence vis-à-vis de la génération, mais inévitablement une affaire de génération. Bah, effectivement, alors si on accepte ce concept de génération, après, objectivement, on est obligé de constater que c'est ce qui les réunit, c'est que c'est une génération du reflux, c'est-à-dire arrivée à maturité, enfin adolescence et jeunesse et âge adulte, au moment d'un reflux général, à la fois un passage à droite de la Terre entière et même de la galaxie, enfin les années 80
le libéralisme et la fin des idéaux communistes accusés de tous les maux et interdits de d'expression. Donc on leur a expliqué que c'était trop tard. Et c'est donc une génération de l'entre-deux, c'est-à-dire ce reflux. Alors il y a d'autres générations du reflux, on pourrait voir à la fin du 19e siècle, au début du 19e siècle, enfin, ça existe, c'est des cycles historiques. Ce qui est propre à celle-là, c'est aussi d'être entre-deux, vraiment le cul entre deux chaises, c'est-à-dire entre ceux-là qui est encore présent, qui fait de l'ombre, qui est juste derrière, dont les photos sont pas encore sèches, quoi, mais qui est interdit, c'est-à-dire la fièvre avant-gardiste, la révolution, la mort collective, enfin, tout ça. Et ce qui arrive très vite derrière, mais très vite, parce qu'il y a une accélération quand même du temps, qui a plein de noms et d'aspects différents, mais qui s'appelle nouvelle technologie, mondialisation libérale, et aussi nouveaux conflits. Enfin, voilà, en gros, cette génération dont les événements déclencheurs sont quelque part entre la chute du mur de Berlin et le 11 septembre, pour faire vraiment dans le journalisme plat. Voilà, ça c'est celle d'immédiatement après. Donc il y a un groupe qui est coincé entre 68 et ça. Et c'est vraiment une prise en tenaille et en étau à l'intérieur de laquelle il est très difficile de se faire une place, d'abord de pouvoir parler à la première personne générationnelle, de dire nous, de limiter notre héritage et ce qu'on aura fait. On est vraiment coincé. Donc c'est à partir de cet espace rikiki et même de ce quasi échec démographique que moi j'écris ça. Sans rhétorique aucune, c'est, on peut dire que être à ce point-là coincé aux entournures, voué à l'échec historique, c'est une matière littéraire. Une matière immédiatement littéraire, beaucoup plus que l'espèce de lyrisme des 68 heures ou l'incertitude nouvelle des tout jeunes. Quoi. Ce que j'essaye, c'est drôle parce que mes premiers lecteurs, même ceux qui aiment beaucoup ce livre, sont non pas gênés, mais sont attristés par ce qu'ils voient comme un pessimisme. Quasi-catastrophisme, alors que ce qui transparaît, mais qu'ils reconnaissent aussi, c'est qu'il y a un partage d'une certaine forme de joie, d'ironie, de complicité extrême liée à la désillusion. Donc la désillusion n'est pas que cynisme ou abandon d'idéaux arrangés au magasin des accessoires, comme disait Sartre. La désillusion est aussi un cran de plus dans certaines proximités collectives, dans une complicité amicale, et puis dans l'invention d'autres choses, d'antidotes à la désillusion. C'est-à-dire que c'est à partir de la désillusion qu'on construit autre chose. Il n'y a pas que du négatif, il y a du positif. En l'occurrence, ne serait-ce que ce lien extrêmement fort qui continue à les lier des 20 ans plus tard, en gros, et malgré tout ce qui s'est passé, et malgré leurs différences objectives, est en soi une ruse de la raison, quoi. C'est une ruse de l'échec qui se retourne en réussite affective, quoi. Donc oui, désillusion, mais je ne veux surtout pas tomber dans un discours un peu sociologique ou journalistique sur l'inévitable désillusion de l'utopie qui se transforme en réalisme. C'est l'inverse de ça. C'est-à-dire, le soyons réalistes, réclamons l'impossible, qui était le slogan de 68, reste une devise pour chacun de ces personnages, absolument, même après toutes ces défaites. Je serais d'accord pour ranger ce livre, j'aime pas le mot ranger, mais dans la catégorie qui est derrière une très belle filiation, hein, assez noble, de ces livres sur la fin de l'innocence ou sur cette espèce de ce mur auquel on se heurte quand on doit admettre cet échec-là. Mais à condition, voilà, c'est une condition sine qua non, de dire que c'est pas un état naturel d'évolution de l'âge et que cette perte de l'innocence. Qu'on peut naître vieux et mourir jeune, c'est-à-dire que ça n'a rien avec l'âge et avec la génération pour le coup. Et qu'il. Voilà, j'ai des amis de 75 ans, infiniment plus volontaires, utopistes et engagés que des amis de 25 ans. Donc j'insiste, c'est-à-dire que même s'ils ont l'air, ils ont de fait à peu près tous le même âge, qui est plus ou moins le mien, les personnages de mon roman, il ne faut surtout pas que ce soit associé par nécessité à un âge. Je suis d'accord avec ce truc de la perte de l'innocence, mais à condition d'en faire une sorte de devenir permanent qui peut arriver à tout âge. Voilà, rester en devenir. Et vraiment, on a tous fait l'expérience hein, de vieux dont la parole, comme ça, un peu éraillée, est infiniment plus joyeuse, déconnante et utopiste que celle de jeunes réalistes. Donc voilà, surtout attention à l'âge. Mais oui, c'est la perte de l'innocence. Alors, il y a une structure archétypale dans chacun de ces quatre personnages, c'est-à-dire le squelette est un archétype,
avec des espèces d'archétypes sociologiques, et la chair voilà, est évidemment inspirée par ce UX que je connais, et en grande partie aussi par une distribution, je sais pas, la recette de toute écriture romanesque, mais une certaine distribution d'éléments personnel et autobiographique. Donc j'insiste parce que, effectivement, si on le dit comme ça, la journaliste pressée, l'écrivain raté, le médecin fêtard et la militante qui n'y croit plus, ça serait ça, hein, les quatre portraits de mes quarantenaires, là, ça a l'air voilà, d'un poncif sociologique de magazine. Non, parce qu'il y a dedans la chair de ce que ça suppose d'épreuves, de sensations, de vision du monde. Donc, et alors là, c'est effectivement une distribution assez égale, de traits tout à fait personnels, à condition d'ajouter qu'il y en a qui sont réels et accomplis, et d'autres qui sont qui relèvent plus de ce que j'aurais aimé faire ou être, ou d'un rapport plus extérieur, comme une tentation, ou un penchant qu'un vrai trait personnel. Mais voilà, ils sont quatre façons possibles, il y en a plein d'autres, de s'éloigner de cet échec-là, de survivre à cette désillusion, d'avoir 40 ans sans trop trahir l'exigence de sa jeunesse, l'exigence politique de sa jeunesse. Donc quatre façons, c'est-à-dire le journalisme comme façon, voilà, avec une certaine noblesse de cette profession, malgré tout, derrière tout ce qu'on en dit, l'écriture, parce qu'elle reste, la littérature reste le meilleur abri du déclin du monde, la médecine par son utilité sociale, surtout quand elle a cette espèce de double vie, parce que c'est un fêtard invétéré, et évidemment le militantisme, qui lui est une façon de rester fidèle, tout en ayant plus de distance critique. Mais tu parlais aussi de Paris, et c'est évidemment un roman... presque, j'allais dire, avant tout sur Paris. Là aussi, à la fois, je m'inscris dans une tradition vaste, hein, et je me méfie du côté voilà, Rastignac ou roman d'illusions et de désillusions liées à la ville, quoi. En revanche, il y a un truc très concret, topographique, c'est-à-dire que la longue scène de révolution du début a lieu dans le centre-ouest parisien, hein, entre la Madeleine, la Concorde, là où les quatre personnages, 20 ans plus tard, habitent plutôt le nord-est parisien, avec une ou deux exceptions, sachant que c'est évidemment moins cher et plus... Donc, bon, paradoxe de, comment dire, de la révolution aux Champs-Élysées et de la désillusion bobo, quoi. Ce serait un peu ça. Et il y avait vraiment des choses très très concrètes de... Alors, j'ai joué à la fois... de noms de rues et tout ce que ça peut évoquer, c'est-à-dire il y a une sorte de bataille sur une barricade avec une victoire à laquelle il participe, qui est rue de la Monnaie. Voilà, il y a toute cette histoire de la Madeleine, il y a la traversée impossible des Champs-Élysées quand on est devant l'Élysée, il y a le Champ de Mars où il y a évidemment une bataille homérique comme son nom l'indique, bon, etc. Là, pour le coup, je m'inscris dans une tradition de topographie parisienne précise, ça compte pour moi. Peut-être d'ailleurs, c'est marrant, à titre personnel et biographique, parce que je suis un born again parisien, c'est-à-dire que je suis parisien depuis toujours, mais ayant vécu 10 ans à New York, quand je suis revenu, il y a 10 ans, à peu près, il y a 11 ans, je l'ai vu avec un œil complètement neuf et un œil quasi touristique, un petit peu comme un Américain, de, waouh, qu'est-ce que c'est ancien, qu'est-ce que c'est beau. Et d'où peut-être cette fraîcheur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Parisiens pur jus qui feraient ce que je fais, qui est assez innocent en fait, c'est-à-dire de célébrer, comme de blasonner la ville en permanence. Donc ça vient peut-être de mon recul, mon expatriation. Peut-être pour donner une sorte de... texture plus objective à toute cette histoire, j'aimais bien l'idée de titre mathématique. Donc 7-5, évidemment, c'est pas le 9-3, c'est le 7-5, c'est là où il y a le plus de grabuge historiquement, quand même, plus que dans le 9-3, c'est Paris. Quantité, j'y tiens énormément parce que cette partie, donc, qui sont les quatre monologues, les vies au présent de ces quatre personnages, ces parties sont pleines de listes en permanence. Et elles sont, pour moi, ça c'est vraiment une sensation dont j'arrive pas encore à faire sens et qui sera. Qui va m'inspirer d'autres livres, je le sais déjà,
qui est la sensation de quantité permanente, mais de quantité absurde, de quantité jusqu'à un nombre qui ne fait plus sens. Quantité, ça peut être toutes les quantités, hein, la quantité de gens dans le métro quand on est debout à l'heure de pointe, comme la quantité de choses à faire sur la petite liste, comme la quantité de mails reçus, comme la quantité d'amis à voir qu'on n'a plus vu, comme toutes ces quantités importantes et inimportantes qui forment ensemble cette espèce de magma de vie pseudo-trépidante. Donc ça, j'y tenais beaucoup, c'est une quantité qui cache un vide, bien sûr. Et le troisième titre, Ensemble vide pour la retrouvaille, est évidemment le plus transparent des trois titres, c'est-à-dire que il reste le lien, il reste le groupe, il reste les souvenirs inoubliables, mais il n'y a plus de lien au présent. Ce sont des gens qui ne se voient plus, qui se revoient tout à coup et savent qu'ils ne se reverront pas nécessairement ensuite, que c'est uniquement ça ressurgit le temps d'un instant. Et donc l'ensemble est vide, c'est un ensemble vide au sens géométrique du terme, qui peut tout inclure, mais qui n'en restera pas moins vide. Donc il y a évidemment là une mélancolie, là il y a un pessimisme, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a. Au début il y a une expression d'un des personnages devant quand il fait son siège de l'Élysée à 20 ans, il a l'impression comme ça qu'il y a deux néants face à face, le néant du pouvoir et le néant du commun. C'est-à-dire que le pouvoir est ridicule et méprisable et interchangeable, et puis on n'en veut pas de toute façon. Et le commun qui nous rassemble là n'a lieu qu'un instant, ne durera pas, et tout va s'opposer à ce qu'on reste ensemble. Les logiques individuelles, les égoïsmes. Donc voilà, c'est ces deux néants-là qui font l'ensemble vide. Là, on rentre dans la sensation, le malaise de l'auteur. J'ai parfois l'impression étrange d'avoir écrit un livre apparemment très contemporain, au sens où cette histoire de génération, cette époque, cette désillusion, puis tous les éléments du présent qui est le nôtre, hein, qui sont présents comme ça dans le livre, tout ça nous ancre dans le plus contemporain, et en même temps, d'avoir écrit un livre à la fois intemporel, mais aussi daté, est délibérément daté, un peu au sens où la littérature est datée, et au sens où quelque chose d'elle reste, comment dire, bloqué dans le 19e siècle, dans un certain rapport justement au collectif comme objet de lamentation nostalgique, dans un certain rapport à la langue romanesque qui embrasse tout et qui fait des mondes, dans un certain rapport au personnage, et dans une certaine écriture. Alors, je suis plus mal placé pour en juger, mais même s'il y a des éléments très oralisés du gros mot et du langage d'aujourd'hui, ici ou là, l'ensemble est assez écrit dans une langue assez classique, assez narrative, presque 19e siècle, si ce n'est que la syntaxe est d'aujourd'hui, quoi, avec des grandes périodes au sens musical du terme. Donc voilà, c'est comme un ovni du 19e siècle pour dire l'aujourd'hui. Et voilà, alors je ne sais pas quoi faire de ça, c'est-à-dire être à contre-temps, presque formellement ou stylistiquement. Parfois ça me réjouit, tant mieux, hein, je ne sais pas si c'est du snobisme ou de l'envie d'être à l'abri, justement. Et puis d'autres fois ça m'inquiète, parce que peut-être que si on n'écrit pas comme ça aujourd'hui, c'est parce qu'on ne lit pas comme ça aujourd'hui, ou c'est parce qu'on n'éprouve pas ou ne pense pas comme ça aujourd'hui. Donc voilà, parfois cette. Le côté un peu intempestif ou intemporel de la forme du livre me donne l'impression d'être en décalage, mais vive le décalage. Alors j'ai beaucoup de mal à choisir un titre, donc j'ai laissé quelqu'un d'autre choisir, au sens où c'est un mot du philosophe allemand Walter Benjamin que j'ai trouvé dans une expo de ses archives, une exposition au musée d'art et d'histoire du judaïsme fin 2011, notamment ont été exposées les petites fiches Bristol sur lesquelles il prenait des notes en 37-38 à la Bibliothèque Nationale sur Baudelaire, pour finir ce livre sur Baudelaire qu'il ne finira jamais. Et comme c'était des années extrêmement pénibles pour lui, puisqu'il apprenait que ses derniers amis restés à Berlin se faisaient arrêter ou n'arrivaient pas à quitter le pays, lui-même était en danger, en situation précaire, bon. Il avait pris pour habitude d'inscrire un mot en allemand en haut de ses fiches Bristol, mot non publié, donc comme une sorte de réflexe, dont la traduction est « À l'abri du déclin du monde ».
en précisant que c'est évidemment toute proportion gardée. Je ne compare pas la désillusion et l'incertitude générationnelle ou existentielle du tournant du XXIe siècle à la montée du nazisme et aux prémices de la solution finale. Mais effectivement, la question est celle de la vieille question moderniste du déclin comme seule certitude, alors que le progrès avait été jusqu'à présent la seule certitude. Enfin, c'est ça, c'est à partir de là qu'écrivent des gens comme Benjamin, comme Baudelaire. Et des meilleures façons de s'en mettre à l'abri. Alors, à l'abri me gêne, parce que je veux surtout pas que ça ait l'air d'une bulle et d'une enclave où on n'affronte pas le déclin. Ce que j'aime beaucoup dans l'abri du déclin, c'est qu'il y a une, comme disent les grammairiens, il y a une amphibologie, c'est-à-dire que ça peut vouloir dire une chose et son contraire. Ça peut vouloir dire, quand on dit à l'abri de quelque chose, c'est soit on se met à l'abri de cette chose pour s'en échapper, soit on se met à l'abri sous cette chose. Il y a une ambiguïté en français. Donc je maintiens l'ambiguïté là. C'est-à-dire que peut-être que finalement, tous ces révolutionnaires en herbe et pris en herbe, le déclin du monde les arrange bien. C'est ce déclin-là et le décret de ce déclin qui leur permet d'être qui ils sont. Ils ont besoin de ce déclin. Donc c'est le déclin qui est l'abri. Voilà. Je garde l'expression ambiguë. Mais en tout cas, qu'elle soit de Benjamin, même si je ne veux pas trop le dire, m'a soulagé. Au moins, je n'ai pas trouvé mon titre tout seul.